Bonjour à tous, c'est Fanco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le 210 questions flow. Donc la question première étant, quel est le meilleur moment de la journée? Donc j'ai mis, ce n'est pas un moment en particulier, mais plutôt les moments de complicité que j'ai avec mes filles. Alors, pour ces trois questions, j'ai décidé d'utiliser les écolines. Donc c'est des questions que j'ai préparées début du mois de janvier. Et vu que je venais de recevoir les écolines, j'avais vraiment envie d'essayer de voir un petit peu comment elles fonctionnaient. Alors là étant une idée que j'ai trouvée sur internet, mais franchement j'ai galéré parce que ça donnait absolument pas ce que j'avais envie. Et je la trouve mais d'une mocheté cette page, c'est vraiment une horreur de chez horreur. Elle est faite, je la garderai, mais c'est pas la page que je préfère. Alors là on va pas se mentir, je l'aime pas. Donc voilà, j'ai utilisé donc plusieurs couleurs différentes. Je sais pas si je les ai notées, je vais garder un petit peu dans le carnet si je les ai notées. Si je les ai notées, je vous les mettrai en visio. Mais sinon, si je les ai pas notées, je vous avoue que je ne saurais pas retomber dessus. Parce que j'ai quand même... Enfin si, je devrais savoir. Je regarde... Non, je n'ai pas noté. J'ai pas noté. Donc je regarderai si j'arrive à les retrouver. Ça, je devrais retrouver. J'ai pas quand même. J'en ai pas énormément, mais voilà, j'ai quand même plusieurs fois les mêmes couleurs. Donc enfin plusieurs couleurs qui se ressemblent. Donc, si j'ai un doute, ce sera peut-être pas celle-là exactement, mais voilà. Après vous aurez quand même l'idée. Donc voilà. Si vous avez des techniques pour utiliser les collines, je suis preneuse. Donc des vidéos intéressantes, vous pouvez les mettre en commentaire. Parce que franchement, c'est un matériel que j'aimerais bien apprendre et utiliser. Donc je sais comment ça s'utilise en aquarelle. Enfin, une espèce de technique d'aquarelle. Voilà, je sais pas trop. La technique du soufflage, il faut que je réessaye. D'ailleurs, j'ai vu un bricolage de ma fille à l'école qui a été fait en soufflage. D'ailleurs, elle est venue me dire, oh, maman, on a fait aussi du soufflage comme ça avec une paille. Le jour où je l'ai fait, et j'avoue que le dessin de ma fille était magnifique. Enfin, l'effet que ma fille a eu était magnifique. Moi, pas du tout. Donc, je sais pas. Est-ce que j'ai oublié de faire un truc? Je n'en sais rien. J'ai pas mis d'eau. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que j'avoue que je ne sais pas trop. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire comment il faut. J'aurais pu y prendre autrement. Je suis preneuse. Parce que c'est toujours intéressant de savoir. Donc, voilà. Donc là, une fois que j'avais tout collé, ben voilà, je suis passée à la question suivante. Donc la question suivante étant, cuisinez-vous bien? Alors là, c'est un grand débat à la maison, parce que pour moi, oui, bien évidemment, mais par contre pour mon homme, pas du tout, parce qu'il y a plus ou moins un an et demi, je pense, voire 2 ans, il m'a clairement regardé en me disant, je ne veux plus que tu cuisines et que tu rentres dans la cuisine, c'est moi qui ferai, enfin je ne veux plus que tu cuisines, c'est moi qui ferai. Alors là, je l'ai regardé et je lui dis, écoute-moi bien mon coco, si c'est comme ça, on va être clair et net, je ne rentre plus du tout dans la cuisine, or sauf si moi j'en ai envie, parce que j'ai envie de faire quelque chose de particulier. Et ici, il regrette un petit peu, ça à mon avis c'est dire, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques fois où on se prend un peu la tête, où il me dit, ah, tu veux pas faire à manger aujourd'hui, parce que moi j'ai pas envie, je lui réponds clairement non, je l'avais prévenu dès le départ, et que là sur le coup, je reviendrai pas en arrière, parce que ça m'a vraiment énervé le jour où il m'a fait cette remarque-là. Donc voilà. Alors, la petite histoire de la maison. La deuxième page, donc cette deuxième page-ci, ce que j'ai fait, donc c'est que je suis partie encore sur les collines aussi, mais j'ai essayé de fondre les deux textures en l'une dans l'autre, et franchement, je trouve que ça donne super bien. Et j'aime vraiment bien l'effet qu'il y a ici. Maintenant, j'ai quand même caché pas mal l'effet. Donc voilà. Alors le pourquoi j'ai utilisé donc l'image que vous voyez là avec les fameuses herbes basilic, la sauge je pense que qu'il y a, du thym et puis les autres je ne sais pas, c'est parce que c'est le genre de choses qu'on ne sait pas utiliser dans la cuisine chez nous, c'est pour ça que j'ai même mis le ça sert à quoi, parce que les fameuses herbes comme ça, moi déjà mon homme ne supporte pas ça, mais c'est vrai qu'on n'en utilise jamais, donc dans les recettes bien souvent il y en a quand on fait des fêtes, on essaie de suivre une recette, et on achète, mais là ici par exemple à Noël on a acheté, je pense que c'est du thym, j'ai juste utilisé pour mettre dans la recette que j'ai fait à Noël, parce que oui bien évidemment pendant les fêtes ou quand on reçoit quelqu'un, c'est qui cuisine? C'est Bibi, c'est pas monsieur hein. Donc voilà, tu cuisines pas bien mais tu fais quand même manger quand il y a quelqu'un qui vient, ça voilà, ça me reste à travers quand même de la gorge, mais voilà, ça c'est une petite histoire un petit peu réjouissante de la famille. Donc voilà, question numéro 3 étant, quelle saison vous ressemble le plus?
Alors, j'ai indiqué, l'été, c'est un temps chaud comme mon tempérament. Donc, j'ai un tempérament assez peps. Je suis très timide. Donc, comme là, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos flow, je suis extrêmement timide. Par contre, quand j'ai pris, entre guillemets, mes aises dans l'endroit où je suis, donc là, ici, par exemple, dans mon boulot, ça fait quand même maintenant 5 ou 6 ans, enfin 5 ans que je travaille là-bas. Donc je connais mes collègues et c'est vrai que mon tempérament que j'ai par exemple à la maison ressort beaucoup plus, j'ose beaucoup plus m'affirmer et c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment un tempérament assez fort et quand j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, je vais le dire à la maison, ça explose régulièrement parce que bah, mon homme et moi on a des caractères assez forts. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, bah, voilà, notre manière d'expression, c'est pas forcément super bien, mais notre manière d'expression, c'est vraiment on explose quoi. On se réconcilie après, mais voilà, c'est vraiment une manière de faire chez nous. Donc voilà. Alors ici pour la page, ce que j'ai fait, c'est pas mal de petites tâches d'abord. J'ai essayé de voir un peu comment ça fonctionnait au niveau des tâches. Et puis alors, vu qu'il y avait assez bien de trous et que je n'aimais pas du tout la première page où il y avait beaucoup de blanc, j'ai décidé de prendre les collines bah, comme ça avec le pinceau et d'en mettre un petit peu partout, d'en appliquer. Alors à certains endroits, j'ai mélangé avec bah, l'autre partie, enfin l'orange, et à d'autres j'ai essayé vraiment que ce soit juste le jaune qui ressorte parce que je trouvais que c'était un peu, enfin ça faisait un peu plus joli. Alors, sur le côté j'en ai pas mis parce que je savais que je voulais mettre une photo, donc une photo un petit peu été, vous la verrez juste après. Mais voilà, alors là j'ai décidé de faire un petit peu des tamponnages, donc sortir un petit peu juste photo mot parce que je trouvais que ça pouvait donner bien aussi un petit peu des tamponnages. Donc voilà. Parce que ici, j'avoue que j'ai. Après, je sais plus la question combien je suis là pour le moment. Celle-là, je sais pas. J'ai pas noté en fait le numéro, donc il faut que j'aille voir dans mon dossier à la question suivante. Parce que j'ai fait les suivantes aussi. Évidemment, je ne l'ai pas noté. Je me demande. Bah, je vais compter mes pages, ce sera plus facile. Donc voilà, je vais juste compter et puis je reviens vite vers vous. Donc une. Comment ça tombe pas? Une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, j'ai fait la 21, 22 et 23. Donc ça, c'est la 23e. Donc voilà. 23, ça, j'avoue que j'ai un peu moins d'idées. J'ai l'impression de tout le temps tourner vers les mêmes idées. Alors, c'est des techniques différentes. Donc là, à chaque fois, je me suis dit, à chaque fois, pour 3 pages, j'utilise les mêmes techniques. Donc, c'est voulu, hein. Mais voilà, c'est vrai que j'avoue que par moment, je me demande si voilà, j'ai l'impression de tourner en rond au niveau de ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner aussi d'autres petites techniques que vous auriez envie que j'utilise ou... Voilà, après je sais pas si j'ai le matériel donc je vous dirai oui ou non, mais n'hésitez pas à me dire un petit peu, à me donner un petit peu vos avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao!